Bonjour à tous, nous sommes au salon de la chasse de Rambouillet avec Yann. Bonjour Yann, nous sommes sur le stand de Fabarm et je tiens dans les mains un fusil à pompe, le nouveau Stas 2. Yann, est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu, ce fusil à pompe et puis nous donner également les normes techniques de cette arme? Tout à fait, donc dans la gamme des fusils à pompe, cette année il y a effectivement la nouveauté du Stas 2, tracker, donc devant et cross fluo comme on peut le voir. On reste toujours avec un canon rayé. C'est la nouvelle norme, enfin c'est les nouvelles normes. Un petit tout dévent au niveau du bout du canon avec un organe de visée en fibre optique pour une visée un peu plus rapide. Ce fusil à pompe Fabarm est équipé comme tous les fusils à pompe, je vous le fais voir rapidement, du ressort qui rappelle le devant vers l'avant. C'est-à-dire quand je le lâche, il va se refermer tout seul vers l'avant. Et en capacité, on a 6 coups plus 1. D'accord. Voilà. Et il est disponible en quel calibre? Uniquement calibre 12. Uniquement voilà. Calibre 12. Tout ce qui est fusil à pompe, c'est calibre 12. Alors, ça va être une arme qui va plutôt être destinée pour un tracker. Oui, tout à fait. Pour un tracker, on va pouvoir également l'utiliser pour aller chasser le gibier d'eau. Éventuellement, enfin, par rapport à la longueur du canon et sa caractéristique, celui-ci va vraiment être tracker ou éventuellement tirer sous bois. D'accord. Mais vraiment destiné à la traque et pour le grand gibier. D'accord. Bon. En tout cas, on a un mode de réarmement qui est très rapide. Donc voilà, c'est très très rapide et c'est donc une nouveauté chez Fabarm, le Stas 2, et il est au prix de 1270 euros pour les trackers pour la saison prochaine.